ceinture, 27 degrés, vous rigolez. Alors, la Dacia Sandero 2023 LPG. Pour seulement, tout de suite, la reprise, elle est bien confortable. Ouais, confort, enfin, ça va le confort. Changement de vitesse me surprend un peu en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de résistance dans le changement de vitesse. Je veux vraiment pousser, tirer pour bouger le levier. J'ai rarement senti ça dans une voiture à ce moment-là. C'est une question d'habitude, j'imagine, mais je trouve ça un peu perturbant. En roue sur du LPG. C'est la première voiture Redfin qui est au LPG. Elle est combien de kilomètres? Alors, à mon avis, t'as de tout sur le volant. Trajet GPL. Vous avez filmé, se trouve là la climatisation est bien faite. Mais c'est vrai que je trouve que c'est, quand je le remarque, c'est visuellement, ça respecte vraiment la ligne graphique de Dacia. C'est bien joué au niveau du design. Oui, oui. La tête d'acier.
Donc le changement de vitesse, ouais, c'est ça qui est perturbant déjà, c'est que la marche arrière, elle est vraiment à droite et il faut le lever en même temps. J'ai jamais vu ça dans une autre voiture, j'ai l'impression. Ça c'est tous les Dacia. Tous les V8, c'est poussé. Mm-hmm. Moi, il faut un peu soulever, mais c'est à gauche, quoi. Et Dacia, c'est roumain, donc, l'origine. Alors,
999 cm. Ouais. 67 kilowatts. Qui équivaut à... Vitesse maximale 177. On n'a pas été jusque là. J'ai un petit tour de l'habitacle. Il y a des choses que je sais pas trop ce que c'est. Mais... Ça fait pour l'airbag. Ah, ok. Et un bouton SOS aussi. Ouais, pour si la mettre en panne. Ok. SOS fantôme. Ils peuvent te dépanner. Que c'est neuf. Hein. Alors, on va regarder le. J'ai oublié ta portière pour faire de l'air. De toute façon, je vais essayer de regarder comme ça. C'est une voiture qui est protégée parce qu'il y a des chiens. LPG essence. Ah, j'ai pas le zoom évidemment, mais bon. Coffre profond. Bim. Pas dire grand chose, mais vous voyez, hein. Vous voyez, tiens, Renault. Merci Renault. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.